La vie du disciple n'est pas un lit de rose. La vie est un combat, et la vie du chrétien d'autant plus. Le moi, la chair, est toujours là, même si on est chrétien. Elle se manifeste parfois bruyamment, et pour la maîtriser et la soumettre au Christ, il faut lutter. Il faut lutter d'abord pour rester accroché à Jésus, pour prier d'une manière fervente, pour étudier la parole. Ainsi, nous aurons la force de Jésus pour vaincre le mal. Mais les choix resteront toujours les nôtres. Il ne va pas le faire, lui, à notre place. Et la victoire est acquise. Les mérites lui appartiennent en totalité. La victoire est la sienne, mais elle est aussi la nôtre. Nous allons pouvoir nous réjouir sans tomber dans le piège de l'orgueil. Étudions attentivement ces principes, mettons-les en pratique, et le résultat sera la victoire en Christ.